JS Kabylie, les dirigeants tentent de convaincre Abdelhak Ben Chicha. Les dirigeants de la JSK, à leur tête le président Achour Chelloul et le manager général Brahim Zafour, ont contacté au moins 4 entraîneurs étrangers pour succéder à Bouzidi, notamment français et tunisiens, mais ils n'ont, à ce jour, conclu aucun accord. Selon Zafour, qui s'exprimait sur le plateau de la télévision algérienne, les discussions se poursuivent pour trouver un accord avec un coach qui fera jouer la JSK les premiers rôles de la Ligue 1 Mobilis. Mais selon le quotidien sportif Compétition, il y a un événement qui risque de tout remettre en cause. La démission de l'entraîneur Abdelhak Ben Chicha de la barre technique de l'USM Alger donne des idées aux dirigeants de la JS Kabylie. D'ailleurs, selon la même source, les responsables du club kabyle ont carrément établi le contact avec le désormais ex-coach de l'USMA pour lui proposer de prendre la barre technique de la JSK. C'est dire que Chelo et les Afors ne veulent pas perdre de temps pour ne pas laisser d'autres clubs les devancer, surtout comment 10 clubs de football se retrouvent sans entraîneur entre la 3ème et 4ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.